Bah, je suis en samedi, dis donc. Il y a une émission bizarre sur les trous noirs et les machins. Bon. Mais je le sais tout ça, je suis tout le temps. On ne savait pas pour. C'est compliqué. On ne savait pas trop parce que. Non, Michel, il devait être avec Nathalie. Non. Mon fils, il m'a fait chier. Bon, voilà. C'est clair. Mais que se passerait-il si un nuage de gaz géant... De toute façon, sur la Terre, c'est tellement simple. On s'est aperçu que dans certaines conditions... Un chat, c'est une galaxie, le truc, c'est un univers. Bon, les PD, ils passent directement par l'univers, ils passent par la galaxie. Bon, les Wings, c'est pas pareil. Il ceinture l'étoile et il la poigne. Ouais, c'est pas pareil. Ce phénomène, nous l'avons tous vu dans le mec, il arrive, c'est pas pareil. Avec les tornades ou encore dans notre baignoire. Un vortex, mais à l'échelle supermassive. Et je le sais. Quand vous retirez la bombe de la si baignoire, ça se peut. Vous voyez l'eau tourbillonner très vite en formant un vortex. C'est la même chose. Je fais grand chose. L'effondrement direct aurait permis à l'univers primordial de créer de mais très toujours, le samedi, c'est en fin. Je sais pas si je vais la mettre maintenant, parce que je sais pas. Grâce à leur masse de départ déjà très conséquente, ces trous noirs auraient bénéficié d'une avance considérable une boîte, et auraient ainsi pu grossir très rapidement pour devenir là, je suis une costaud, je suis bien. Observe aujourd'hui dans l'univers distant. Yuko, en théorie, pas chez Salut, chez la même Mireille. Ma Z-Top du Bramo, cistercien, ciste mondial. Double aussi bête, un proteste aux docks, c'est tout ce que tu veux. L'effondrement direct explique peut-être la naissance des trous noirs supermassifs.